Eh bien, salut les amis, c'est Kirendo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, le troisième épisode de Snack Pass. Alors, j'ai pas eu le temps de réagir par rapport à vos commentaires sur le premier épisode dans la dernière vidéo, tout simplement parce qu'en fait j'avais tourné les deux premiers épisodes en même temps. Parce que je me suis dit de toute façon que je vous ferais que deux épisodes sur ce jeu, ce serait déjà pas mal, je vous aurais présenté la plupart du jeu. Mais en fait, vous m'avez surpris, vous avez extrêmement bien réagi. Au début de Snack Pass sur ma chaîne, c'est génial, ça m'a donné envie de continuer parce que vous l'avez demandé. Donc eh bien, enfin, j'allais continuer le jeu moi-même, mais je veux dire, ça m'a donné envie de continuer le jeu avec vous, de vous montrer la suite. Ce jeu est vraiment, vraiment mignon. C'est stylé et il est vraiment original et tout. Enfin, il y a des moments où oui, je galère un peu, ça m'énerve, mais c'est normal. De toute façon, un jeu où je ragerais pas, ce serait nul quand même. Un jeu où on rage pas et où tout est toujours très bien, non, c'est nul. Donc c'est bien que de temps en temps il y ait quelques difficultés comme ça, même s'il y en a beaucoup sur ce jeu. Alors je regarde autour de moi parce que vous savez, la dernière fois j'avais l'impression d'avoir raté plein de trucs. Alors pourquoi il va au fond de l'eau ici? Ah d'accord, okay. Je sais pas pourquoi il avait coulé dès le début. Bon bah alors on va monter. J'avais oublié le bouton pour monter en fait. Alors là ça paraît bizarrement trop simple. Oh, il y a des pics. D'accord, alors s'il y a des pics, ça c'est pas bien. C'est pas bien. À son avis, il va mourir le serpent s'il va dans les pics, non? Ça m'étonnerait pas. Hein. Ça paraît être d'ailleurs à peu près logique. Par contre, il n'y a aucune boule bleue. Oh! Attendez. On m'a dit que si on avait tous ces trucs-là, on devenait plus grand. Donc on va essayer. Oh, c'est un peu de la triche, oui, d'accord, je l'avoue. C'est pas grave. Mais je suis toujours persuadé que ça fait quelque chose, ces soleils, là. Genre ces symboles et tout, je suis sûr que ça fait quelque chose. En tout cas, les amis, eh bien... Pourquoi je galère comme ça à vous parler? Je sais pas comment ça se fait, mais... Non, enfin, je voulais vous dire que ça me fait plaisir que vous ayez réagi bien à l'arrivée de ce jeu, parce que ça me conforte dans l'idée de vous faire un let's play sur le jeu, eh bien, Yooka-Laylee, qui va sortir bientôt sur Nintendo Switch... sur plein de consoles, et Nintendo Switch y sortira, mais plus tard... Donc en tout cas voilà, je vais vous faire la série parce que voilà, vous m'avez donné envie de... Vous m'avez conforté dans l'idée que ça vous plaira sûrement quand même. Parce que j'ai peur en fait, sur ma chaîne, j'ai peur quand, si je vous fais des jeux qui sont pas Nintendo, qui sont pas des gros jeux Nintendo, j'ai peur que ça vous plaise pas. Et là justement, je me suis rendu compte que vous êtes prêts à voir d'autres choses sur ma chaîne. Donc merci à vous. Alors je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs dorés. On sait jamais hein. On sait jamais. Il n'y a pas l'air d'en avoir par là. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, vas-y, plus vite, parce que ça, c'est dangereux, c'est dangereux. Oh là là, aide-moi. Merci, Doodle. Là, je suis sûr qu'il va y avoir un truc doré quelque part. Hein. Ça en a bien l'air. Attendez, on peut descendre, là? Ouais, non, à mon avis, la descente, c'est la suite. Ce qu'il faut, c'est monter, et la difficulté, ça va être de monter sur un truc qui bouge, c'est ça? Ouais, d'accord, je comprends la difficulté. Je comprends. Est-ce que je vais y arriver? Et j'ai l'impression que, en tout cas depuis la dernière fois, j'ai pas perdu la main. Hein. De toute façon, on était obligé d'aller ici, c'était pas un secret. Wow! J'ai pas perdu la main sur le jeu depuis la dernière fois, je suis surpris. Je m'étonne moi-même. Oh, par contre, il a juste fait mal à la tête, là, le pauvre serpent. Allez, descends. Ça sert à remonter, donc on s'en moque, vu qu'on a tout eu en haut. Enfin, je pense. Il n'y aurait pas des trucs par là-bas? Non, rien du tout. Bon, alors sous l'eau. Par contre, là, il est bloqué. Des fois, il se bloque bizarrement, le serpent. Oui. Ah, et l'oiseau veut pas prendre le serpent quand il est dans l'eau. J'ai vu ça sur une autre vidéo. Non, mais je suis bloqué, là. J'étais carrément bloqué. Alors, il y a forcément des trucs ici. Ne me dites pas qu'il y a un point d'eau avec rien. Ça, je vous croirais pas. Je peux pas vous croire. Déjà, il y a ça. Ok. Pourquoi il avance plus? Pourtant mes manettes ont toujours de la batterie, je sais pas. Je crois qu'il se bloque dans les rochers en fait. Pourquoi il le faisait pas la dernière fois? Pourtant il n'y a pas une mise à jour du jeu, hein. Le jeu n'a pas changé. Ils n'ont pas changé la physique, rien du tout. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? Mais ça c'est bizarre. Hein. En plus c'est le même symbole. C'est le même symbole qu'il y a sur la porte. Enfin, pas sur la porte, mais sur l'espèce de truc que je vous disais qu'il y avait un symbole bizarre. Il y a de l'eau qui tombe dessus. Non, mais c'est forcément un truc, ça. Ça peut pas être là pour rien. Ça peut pas être là pour rien, c'est impossible. Bon, bah, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ça. Ça peut pas être juste là pour faire joli. C'est lié, forcément, avec le symbole qu'il y avait sur le mur.
Ça ne peut que être lié. Alors là, par contre, c'est le genre d'endroit où on n'a pas droit à l'erreur. Si on tombe, eh bien, on meurt. Donc, faut faire attention. Non, 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 mon petit cerf. Non. Dommage. Bon, il y avait un checkpoint loin en plus. Wow, chaud. Alors, nous revoilà. Est-ce qu'on va réussir à le passer cette fois? Vas-y, monte déjà. Ça serait bien. Alors, en fait, faut peut-être pas que j'aille trop vite. Non, 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 non. En fait, faut que je m'enroule vers le bas, mais c'est chaud, hein. Allez, Noodle, tu peux y arriver. Je vais essayer de m'enrouler. Je vais vraiment essayer cette fois. En utilisant le bouton, là. Ouais, mais... Non, mince, c'est chaud. J'ai essayé de m'accrocher, mais non, j'arrive pas du tout. À chaque fois, en tout cas, je récupère les pierres bleues que j'avais eues. Hein. Ça, c'est cool. Mais j'ai l'impression qu'il y en a pas du tout dans ce niveau d'habitude. Il y en a plein partout. Et là, j'en trouve pas. Là, si je fais ça... Ouais, ça marche pas non plus, hein. Je suis en train de chercher ce qui pourrait être la meilleure solution pour y aller, mais ouais, comme ça. Et là, on s'enroule autour de ça. Ouais, bah si on arrive à... Oh, bien. Oh, par contre, j'aurais pas le machin bleu. Oh, bah il y a une sauvegarde ici. Ok, donc maintenant, on peut aller essayer d'aller chercher le machin bleu. Est-ce qu'il est où, en fait? Ah, oh, j'ai compris, en fait. Je crois que je vois où il est. Il est à l'endroit du premier truc, là. Voilà. Allez, donc là, faut s'accrocher et c'est bon. Non, 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 non. Tu peux le faire. Tu peux le faire, Noodle. Allez, oui. C'est bon, je re-sauvegarde. Je m'assure d'avoir bien sauvegardé parce que je veux pas refaire ça. Je veux pas refaire cet endroit, s'il vous plaît. En tout cas, les niveaux sont plutôt longs dans le jeu. Au début du jeu, les niveaux étaient courts. Enfin, oui, les premiers niveaux du premier monde étaient courts. Mais maintenant, là, ça devient un peu plus long. Parce que je me suis rendu compte que dans le dernier épisode, on avait fait qu'un seul niveau. Chaud, hein. Alors qu'on avait fait 3 dans le premier. Ouais, non, finalement, ça change pas grand-chose. 2, 3... C'est aussi différent que je le pensais. Ah, là, il y a un machin bleu en bas. Super. Vas-y, Noodle. Il n'y en a pas d'autres. Je vais remonter à la surface. Il y a peut-être des trucs secrets à la surface. Non, même pas. C'est suspect, ça. Qu'il n'y ait rien, c'est suspect. Bon, continuons notre... Oh! Tiens, il y a un truc ici. Vas-y. C'est juste une barrière. Genre, vous allez me dire qu'ici, il y a une barrière. Juste une barrière. Ah, mais là, ça ressemble à une porte, ce truc. Je suis désolé, mais ce truc-là, c'est suspect, hein. C'est suspect, il y a plein d'éléments du décor qui me paraissent extrêmement bizarres. On verra plus tard, hein. Il y a un toboggan en bas, mais je pense que le toboggan, c'est pour la suite, non? On va essayer de monter. Allez. On aura une vue d'ensemble. Ok, alors d'ici, qu'est-ce qu'on voit? Non, ça a l'air d'être la suite ici, donc allons au toboggan. Vas-y. Ah bah c'est pas vraiment un toboggan en fait. Enfin, j'ai dit toboggan parce que ça ressemblait à une partie de toboggan, mais en fait non, c'était juste... D'accord, c'était juste un mini tuyau quoi. Par contre, ce qui me dérange, c'est de pas retrouver d'autres... Enfin... Ouais, d'autres cailloux dorés là, d'autres pièces. Parce qu'on avait bien commencé le niveau. Dès le début, en avoir une, c'était plutôt cool. Finalement, on n'en aura pas d'autres, peut-être. C'est le truc vraiment ultra difficile à trouver. Hein. Ça, les développeurs, ils se sont gavés pour les cacher parce que... J'ai rarement vu des trucs dans des jeux aussi bien cachés, là. Enfin, surtout des trucs où il y en a 5 dans chaque niveau, quoi. Il y en a 5. Et moi, j'en ai au maximum combien? 2, 3 3 max. Je n'ai jamais eu plus de 3, ça, j'en suis sûr. Vous vous rendez compte, quand même, c'est rien. Monte. Ouais, il va y arriver. Il va y arriver. Aide-moi, petit oiseau. Ouais, c'est bon. Ouais, le petit oiseau, il a un nom, hein. C'est Doodle. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous nous réservez ici? Ouais, ça a l'air d'être difficile, mais en fait, ça ne l'est pas vraiment. Ça ne l'est pas vraiment. Alors là, par contre, il y a un truc qu'il va falloir remettre. Je sais pas trop comment on fait. Et là, il n'y a rien caché en haut. Il y a forcément un truc. Ah, oh, il y a une pièce dorée. Allez, essayons d'attraper la pièce dorée. Si on y arrive, ça c'est un peu moins sûr. Wow, j'ai réussi à monter, mais non, pas assez, pas assez. Vas-y. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bouton pour aller plus doucement. Vous en êtes, des fois, je tourne pas assez vite ou trop rapidement le stick. Ben voilà, comme là, j'ai tourné trop rapidement. Non, mince. Si on s'enroule comme ça, ça fait rien. Je pense pas que je puisse l'avoir. Oh, attendez, et si on s'enroule convenablement? Est-ce que... Mince, est-ce qu'on va avoir un boost? J'ai l'impression d'avoir vu ça. Non, non, demi-tour, demi-tour.
Enroule-toi de... Ah, il va tomber, il va tomber. Ok, d'accord. Alors, on va essayer de remonter déjà, ça serait bien. Non, non, j'y arrive pas. Bon, essayons une dernière fois. Mais ça, c'est vraiment un truc pas facile. Non, ne tombe pas ici. C'est pas le moment de tomber. Bon, aide-moi là, le petit oiseau. Voilà, on va revenir parce que non, je n'y arrive pas. Tu m'as bloqué. Non, je croyais que tu m'avais bloqué quelque part. Voilà, comment on va l'amener? Ça va être chaud. Il va falloir lui faire tout le chemin. Surtout que j'ai du mal à voir comment... Si l'oiseau nous tient là, est-ce qu'on peut plus facilement la faire avancer? J'ai pas l'impression qu'on le fasse plus facilement, mais... Ouais, si. Ouais, enfin, je sais pas si ça change vraiment grand-chose, mais bon. Et si je me concentre... Ah, je peux le pousser si je me... Si je fais espèce de truc où je me concentre là. D'accord, c'est mieux. Allez, vas-y. Oh, c'est trop mignon ce jeu avec les musiques et tout en plus. Vas-y. Allez, avance du nerf. On y est presque. Il arrivera pas à passer la... Ouais, c'est bon. Je vais lui faire couper le virage, mais il pouvait pas y arriver. Mm-hmm. Allez, l'oiseau, va-t'en. C'est chaud, hein. C'est chaud, ça, de pousser une boule. C'est un truc qui est ultra facile dans la plupart des jeux, mais alors dans celui-là, c'est pas du tout la base, là. Allez, par là. Parfait. Tu vas y arriver. Encore un petit effort, c'est juste ici. Vas-y, pousse là. Elle va y arriver. Ouf! C'est bon, qu'est-ce qu'on ouvre? Ah, un passage pour aller plus haut. D'accord. On va essayer juste de récupérer la petite boule bleue. Vas-y. Super, on l'a. Ah, mais c'est symbole. J'arrêterai jamais de m'interroger. Hein. Ça peut pas être innocent. Ils peuvent pas avoir mis des symboles de soleil comme ça, genre juste pour dire tiens, on va décorer le niveau. Ok, parfait. Là, je pourrais sauter directement au machin. Ah, je peux. Hein. Je peux. Allez, essayons. Ouais, parfait. Vas-y. Et voilà, alors il y a plein de moments comme ça dans le jeu qui sont super parce qu'on peut trop gruger. C'est trop bien, j'adore ça. Je sais pas s'ils avaient prévu, hein, mais en tout cas j'adore ça. Allez, vas-y, Noodle, tu peux y arriver. Ou alors non, faut faire par deux étapes. Ok, super. Où il est le passé là, le colibri? Ah, il est là. Salut. Monte. Un serpent, ça peut vraiment faire ça en vrai? Est-ce que ça peut vraiment monter à ce point? Oh là 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 là, vous êtes sérieux là? Parce que là, je tombe, je meurs, non? Oh, je vais mourir. Ah mince, ouais, d'accord, il meurt en deux coups en fait, en les touchant. En même temps, vous avez vu comment ils sont genre aiguisés ces pics? Ce que je veux, c'est m'enrouler en fait. Ouais, non. Ah mince, il va encore mourir. J'essaie juste d'attraper le truc, mais j'y arrive pas, allez, petit. Oh là là, par contre, on retombe pas, hein. Ça... Oh là là. Ok, ça c'est bien, alors là, il veut pas attraper le truc bleu, hein. Il ne veut pas. Faudrait que je m'enroule ici et... Non, là il va mourir. Ouais, il est mort. Non, en fait, il meurt en un coup. En un coup, il fait... Puis après, il meurt. Bon, eh bien, alors récupérons pas les machins bleus, parce que là, je sais pas trop comment faire. Il faut peut-être y aller vraiment doucement, quoi, en s'enroulant vraiment autour de tout. Je pense que c'est ça, la solution, c'est de s'enrouler vraiment autour de tous les trucs. Et genre, de s'enrouler, pas faire semblant comme je le fais. Allez. Mais... Non, mais j'ai trop de mal. La physique de ce jeu, c'est pas pour moi. Oh! Waouh! Non. Ok, sauvegardons! Heureusement qu'il y a un checkpoint juste ici! Bon, allons récupérer l'autre. Ouh là, il est mort. Ah, le pauvre, ça me fait mal pour lui! Ça me fait mal. Bon. Alors. Ramassons le machin rose en fait, c'est ça qui est le plus important.
super. Bon, allez, ça suffit, ça suffit. On en a assez. Maintenant, on peut s'en aller. Ah, il en manque encore un. Les niveaux sont longs dans le jeu. Hein. Beaucoup plus longs que je le pensais. Wouah, toboggan. Voilà, maintenant, où est-ce qu'on va? Déjà, il y a un truc, mais c'est pas ça qui nous intéresse. À mon avis, il y a un mécanisme quelque part pour pouvoir monter. Je ne sais pas, hein, je suppose. Même sous l'eau, il a besoin de zigzaguer le serpent pour aller plus vite. C'est comme ça qu'on dit même pour un serpent, zigzaguer, je pense. Allez. Ça, c'est juste un truc bleu, non? Ouais. Bon, c'est déjà bien, mais... Ah, c'est là-bas qu'il faut aller. Ok, j'ai vu. Il y a un truc à tourner ici. Ouf! J'ai mal à mon... j'ai mal pour lui, là. Il tombe à chaque fois la tête la première sur les trucs, et en plus, vous, vous vous rendez pas compte, parce que vous regardez juste la vidéo, mais moi, j'ai le... la manette en main, et donc ça vibre en fait. Ça vibre comme si c'était moi qui étais tombé. Ça me rend un peu triste en fait. Pour lui. Comment on tourne ça? Ah, essayons. Vas-y, essaye, petit. Ah, j'ai compris ce que ça fait. C'est le truc qui est dans le fond là-bas. Tourne. C'est bon? On l'a déjà tourné au max? Je crois qu'on l'a tourné au max. Ouais, allez, c'est parti. Vas-y. Ah, il y a un checkpoint en plus ici. Après, mais il y a encore un de ces tambours. Étrange, hein, étrange. Je ne sais pas. En plus, il y a de l'eau qui tombe dessus. Mais attendez, mais non, on n'est pas allé au bout, là. Bah, j'ai pu y aller, mais on n'était pas vraiment au bout, en fait, en vrai. Bon, c'est pas grave. Alors, là, ça va être chaud. Parce que si on tombe, on doit recommencer tout le passage. Donc, je vais essayer d'y aller, genre, en mode, voilà, rapide, rapide. Oh, non, non, ne tombe pas ici, hein. Oui. J'ai de la peine pour lui. Oui, bien. Là, j'ai droit qu'à un seul essai. Hein. C'est bon, on y est. Comment on monte maintenant? Ah, d'accord, ok. Eh bien, parfait. On va arriver tout en haut. Allez. Alors maintenant, c'est encore plus chaud parce que là, si on tombe, il y a des pics. Hein. Pourquoi je suis bloqué là? Aide-moi. Ramène-moi tout ça ici. C'est bon. En fait, l'oiseau, il sert surtout à ça, en fait. Il nous aide à nous démêler. Oui, 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 oui. C'est... On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Oui, c'est bon. On l'a. Ouh. Bon, bah, on peut aller à la fin du niveau. Allez, c'est parti. Tu as entendu ça? Oui, j'ai entendu ça, mais je sais pas ce que c'est. Bon, c'est pas... On le saura bien un moment. Allez. Là, on a vers tout le portail, et c'est bon. On va pouvoir passer à la suite. Mais on a passé énormément de temps sur ce niveau, c'est dingue. Au début, les niveaux, genre, ils se faisaient en 7 minutes, là. Wow, 20 minutes pour un niveau, quoi. Allez, au revoir. Il va y avoir une cinématique ou quoi? J'en sais rien, parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui se passe à la fin, mais on sait toujours pas ce que c'est. Langon languisant. Bon, ok. Non, mais les pièces, j'aurais pas pu toutes les avoir, hein. J'en ai vu une au loin, et sinon les deux autres, je sais pas où elles étaient, hein, j'en ai absolument aucune idée. Bon, et bien écoutez les amis, on va rester là pour cet épisode, désolé parce qu'il est quand même plutôt long. Je vais essayer de faire quand même deux niveaux dans le prochain épisode, donc et bien en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser plein de pouces bleus comme d'habitude, et on se retrouve et bien très bientôt pour la suite du jeu Snake Pass sur Nintendo Switch. D'ici là, portez-vous bien, et à la prochaine les amis, salut!